Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa. La seule émission dans laquelle on se regarde, on se parle, on se dit ce qui se passe et ça ne va pas quelque part. La locomotive des émissions de people en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est ici. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste pétri de talent. Il fait partie de cette nouvelle génération de Zouglou. Mesdames et messieurs, nous recevons dans ce Fafa l'artiste Kei Poké. Ouais. Alors, Kei Poké, ouais. Comment va l'artiste? Je vais super bien. Ben, c'est un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. Ouais, plaisir et partagé. Et sans Kei quand même de tes nouvelles. Ouais, c'est très important. Alors, sinon, et la santé? La santé, ça va, grâce à Dieu. Alors, Kei Poké, tu sais très bien que notre émission s'appelle Fafa. Ouais, je connais. Voilà, donc dans Fafa, on se regarde, on se dit ça directement, comme les choses se présentent. On se dit la caméra. Ok, c'est bon. Alors, mais on aurait appris que tout comme les autos aussi, tu as laissé ta goût des galères. Qui a déjà? Ah, c'est ce qui se raconte sur toi, Kei Poké? Non, moi, je commence à le faux. Toi, tu as commencé à le faux? Ouais. Tu as gardé la même femme? C'est pas facile, mais... Mais jusqu'aujourd'hui, tu as resté. Ouais, ouais. Mais donc, tu penses avoir le profil de carrière d'Assan Foupa. Si tu gardes la même femme, c'est que le même doigt peut continuer jusqu'à... Ah, on ne sait jamais. Ah. Tu as vu, non? Le doigt peut descendre. Donc, toi, tu aimes copier ce qui est bon. Hein. C'est bon, voilà. Je copie ce qui est bon. Voilà. C'est important. Voilà. Non, c'est très important. Alors, merci. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, quand on regarde cette nouvelle génération de Zouglou, de laquelle tu fais partie, ouais, dans quelle position, toi, tu peux te mettre toi-même personnellement? Mais quand tu dis quelle position... C'est-à-dire, tu es lequel? Toi, tu es le numéro 1, le numéro 2. Toi, tu penses que tu es le goth ou bien... Tu... Voilà. Bon, moi, je pense que sur moi-même, je ne suis pas... Je ne suis ni le numéro 1, ni le dernier. Ce qui est okay. Sûr, je tu suis là, je fais mon bonhomme de chemin. Ok. Ouais. Mais ça, c'est pas ça, c'est ce que toi tu penses. Mais les autres, là, tu sais qu'eux, ils sont à l'affût de la recherche de la première place. Ça se sent déjà même dans vos dans les sorties dans le musical, dans les sorties sur les réseaux. Mais toi, tu te reconnais pas dans bon, ça. Moi, en tout cas, je ne cherche ni la première place, ni. Moi, je cherche ma place, rien qu'à me positionner seulement. C'est tout ce que je cherche. Le reste, là, bon, c'est les gens qui voient. Ok. Alors, mais sinon, voilà. Qui pour qu'il est originaire de quelle région? Je suis Yakuba, de père et de mère. Je viens de Mans. Mon village s'appelle Domple. D'accord. Ouais. Donc, tu es le cousin des bébés sans os de main, alors? Oui. Oui, c'est mon cousin. Bon, pas que c'est mon cousin, mais c'est mon frère, Yakuba. Lui, il est à moitié Yakuba, à moitié Maou, mais c'est mon frère. Mais on vous voit beaucoup ensemble. Vous avez décidé de créer un groupe de Yakuba. Bon, bébé sans os d'abord, à la base même. Là. C'est quelqu'un que qui m'adore, qui aime mon affaire depuis moi. Depuis moi, oui. Voilà, quand je partais, quand il vais chanter à moi à chaque moi, fois. Ouais. En tout cas, quand il apprend que je suis là, il va arriver là-bas. Il commence à se rouler par terre maintenant. Voilà, il va se rouler par terre. Ah, mais il fait quoi? Non, ça c'est. Maintenant, c'est Rukaskaska, c'est quand il fait ses prestations. Ça, c'est Rukaskaska, c'est ce qu'il lui fait là. Mon cher, on va dire quoi? C'est, il fait le ça, coup c'est blessé. C'est pas Rukaskaska. Non, c'est pas blessé. Ah, mais tu veux qu'on appelle ça Rukaskaska? Moi, c'est quand ça? Bon, ça a, de... Non, à un moment donné, on a qu'à se respecter un peu. Oui, nous, on a vu les Rukaskaska du vrai bébé sans os original. Maintenant, il y a un bébé sans os des mains qui vient. Ouais. Bon. Quand on le voit se coucher et puis faire les trucs, ça ne ressemble pas à Rukaskaska de couper les galères. Il y a des gens qui font plus que ça ici, donc mais ça, on s'en a qu'à faire pour lui et puis on va avancer. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de toutes ces nouvelles stars qui sont quittées au village, qui ont décidé de venir coloniser tout? En tout cas. Mais c'est quand ça s'est passé là. Oui? Il y a une exode rurale artistique. Oh, oui, c'est clair, c'est clair. Apparemment, hein. Oui. En passant par congélateur, oui. les DJ ventilateurs, oui. Tout cela, ils ont décidé d'abandonner le village pour venir. Pour se rire vers Abidjan. Ah bon. Mais ah. Moi, je pense que c'est quand même pas mal de donner la chance à ces personnes-là. D'accord. Mais il ne faudrait pas ignorer aussi ceux qui font vraiment la musique, ceux qui parce qu'eux, ils font le buzz. On peut dire en quelque sorte, c'est la comédie qui joue. C'est sinon, le divertissement, c'est ça s'appelle. Ouais. Donc, mais il ne faudrait pas en même temps qu'on valorise ces gens-là plus que les vrais artistes que nous sommes. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer? Oui, c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a... C'est-à-dire, il ne faut pas que tu ne faudrais pas. Il faut bien dire que aujourd'hui, c'est en train de se passer. Aujourd'hui, un artiste qui est talentueux, qui est truc, les gens préfèrent inviter
congélateur, bébé sans os, même que même d'inviter un artiste même bon, confirmé, quoi. Confirmé normalement comme ça. Ok. Voilà, aujourd'hui, c'est eux qui font la une des chaînes de télévision et tout. Bon. Mm-hmm. Voilà. Mais toi, tu penses que c'est à quel effet? C'est dû à quoi? C'est le public qui est en marge de ça ou bien c'est les médias qui le favorisent? Non, c'est les médias qui sont en quête de visibilité parce que ces personnes-là, tu vois, l'Ivoirien, il a envie de rire, il a envie de se divertir. D'accord. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, les humoristes sont là, c'est vrai, mais eux, ils sont ni humoristes, ni. C'est des gens qui... En fait, les Ivoiriens aiment découvrir des nouvelles personnes. Ouais, bon, par exemple, quand tu vois Congélateur. D'accord. Bon, il a dit partout, c'est sur les médias, partout qu'il est malade. Quand tu le vois même, tu sais qu'il n'est pas trop normal, il est un peu... Mm-hmm. Il est un peu bizarre, tu vois. Voilà. C'est la vérité. Bébé Sanos aussi, également, il n'est pas aussi normal comme toi et moi. Il est un peu bizarre aussi. Il est un peu bizarre aussi. Mm-hmm. Ils pensent que ce n'est pas mauvais aussi de les soutenir comme ils le font. Mais il ne faudrait pas aussi nous oublier nous autres. Il ne faudrait pas nous mettre à l'ombre. Il ne faudrait pas nous cacher par rapport à eux. Mais c'est pas ça. Après, ils font des choses, c'est le public qui décide de les suivre. Souvent aussi les médias à la recherche. Non, je ne pense pas que c'est le public qui décide. Tu penses que c'est imposé? On impose ça au public. Ah d'accord. Oui, c'est clair. Ok, ouais. D'accord. Ok. Alors, mais Kipoké, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que tu es un artiste pétri de talent, mais tes textes sont beaucoup basés, si je dirais hein, bien, sur des moments de joie, ouais. des paroles de joie. Contrairement à cette musique qui est le Zouglou, qui est une musique de test pour dénoncer, qui est une musique de test qui parle en général de conseils et tout ça. Ouais. Mais toi, tu ne t'inscris pas véritablement dans ce registre-là. C'est dur à quoi? Il faut dire que c'est des chansons de Keibo que vous connaissez. Mais c'est Zgrimage, c'est pas voilà, Zgrimage. On a qu'à boire, ça va venir comme ça, par exemple. Mm-hmm. C'est une chanson d'espoir qui donne beaucoup de force à ces personnes qui se cherchent, comme nous, hein, mm-hmm. comme nous tous. Voilà, qui se battent beaucoup dans la vie. Jusqu'à présent, ça ne va pas. Mm-hmm. Je leur dis de beaucoup persévérer. Un jour, ça va payer. Ok, voilà. D'accord. J'ai quand même pas mal de chansons qui ne sont pas connues, ouais, qui parlent de, en tout cas, tout ce que nous vivons. Hein. Mm-hmm. Voilà, qui parlent de tout ce que nous vivons, comme le font mes collègues et frères artistes de Zulu. Ok, mais en général, tes chansons les plus appréciées sont celles qui parlent généralement. Ouais, malheureusement, bon, je peux lui même passer une chanson qui est appréciée, mm-hmm. qui est connue un peu, bon, parce que la chanson quand même a traversé les frontières. Mm-hmm. On a qu'à boire, ça a beaucoup voyagé. D'accord. Voilà, c'est celle-là qu'on connaît un peu partout dans le monde. Sinon, après ça, il y a des très belles chansons. Moi, je pense qu'on a qu'à boire, mais c'est pas ma meilleure chanson. Mm-hmm. Voilà, c'est pas ma meilleure chanson. C'est vrai, c'est la chanson qui m'a révélé. Mm-hmm. Je suis reconnaissant avec cette chanson, mais c'est pas ma meilleure chanson. C'est pas vraiment le truc que tu as. Toi, tu t'es dit que j'ai des chansons qui sont mieux que voilà, ça. Que ça, voilà. Voilà. Parce que ça, c'est une chanson. Voilà, pour ceux qui me suivent sur YouTube, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube pour écouter mes différentes chansons qui sont là-bas. Ils verront que. Ah, Kibouk, il a vraiment du talent, il chante bien, il chante des tests, c'est vraiment sensé. Bon, alors, si dans ce cas-là, que cette chanson-là prenne, et puis après, tu sors deux chansons qui n'ont pas vraiment le même effet escompté, bon, je me dis que quelque part, peut-être que mieux vous restez dans ce registre-là, ou bien, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai, vaut mieux rester dans ce registre, mais tu n'as pas à chaque fois chanté, on n'a qu'à boire. Mm-hmm. Sinon, je suis toujours dans ce registre. D'accord. J'ai sorti dernièrement, ma dernière sortie. Mm-hmm. Ma dernière chanson qui est sortie il y a quelques mois s'intitule Un problème. Mm-hmm. Voilà, je parle de chacun de nous. Chacun vit quand même dans sa vie des situations difficiles très souvent. Mm-hmm. Voilà. Que tu sois riche ou pauvre, tu as tes problèmes. Mm-hmm. Mais on s'en fout. Voilà, il y a problème, mais on s'en fout. Mais on s'en fout, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout en tant que tel. Mais c'est-à-dire, c'est une manière de dire que malgré nos problèmes, on doit profiter de la vie, on doit vivre. Nos problèmes ne doivent pas nous empêcher de profiter de la vie. Voilà. Alors, mais dis-moi, Kipoké, quel est le moment pour toi, quel est le moment le plus fort, le plus difficile que tu as traversé dans le showbiz? Jusqu'à présent, je traverse des moments difficiles. D'accord. Parce que quand tu travailles, quand tu bosses, quand tu fais des chansons, quand tu investis dans les chansons, puis ça passe inaperçu, mm-hmm. c'est vraiment difficile. Okay. Voilà. Je pense que jusqu'à présent, je suis encore dans l'ombre. Mm-hmm. Voilà. Mais tu penses que c'est dû à quoi? Tu rencontres des personnes dans le showbiz, ouais. Qu'est-ce que c'est des, on va dire, comme on le peut dire, il y a une mafia qui est installée, il y a quoi? Bon, pas vraiment. Ouais, mais c'est-à-dire, moi qui ai évoqué d'abord, ma carrière musicale n'a pas été facile. D'accord. Voilà. Mes premières chansons qui étaient sorties, qui avaient été produites par Président Aké, mm-hmm. que je salue du passage, c'était un maxi single de 4 chansons, okay. voilà, qui avait été arrangé à l'époque par Baby Philippe.
Voilà, c'était des très belles chansons, mais le président Aké, il a fait pour me soutenir, pour m'aider. Il m'a pas accompagné là-dedans. D'accord. Et moi aussi, n'ayant pas les moyens, je me suis battu avec ça, mais quand même, c'est passé inaperçu. Pourtant, c'était quatre très belles chansons. Bien sûr. Voilà, qui sont passées inaperçues. Mais après ça, moi-même, j'ai produit On n'a qu'à boire. Et grâce à Dieu, On n'a qu'à boire a cartonné. La preuve en est que le talent seul ne suffit pas. Non. Le talent ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses autour. Il y a beaucoup de choses autour. Voilà. Alors, de par ton expérience, si aujourd'hui un jeune artiste se lève, qui dit bon, qui va embrasser une carrière artistique, quel est le conseil que toi tu peux lui donner? Il n'y a qu'à d'acheter d'abord bien sa ceinture, parce que ça ne sera pas une chose facile. Plus on avance, plus les choses deviennent compliquées. Plus compliquées. Voilà, plus compliquées. Aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, bon, c'est plus nous qui sommes bien vus, qui sommes suivis, c'est le congélateur, c'est le bus en poste, tu vois. Ça rend encore la chose plus difficile, tu vois, quand tu vois, encore plus compliqué. Bon, si les gars pourraient s'arranger pour que nous tous, on soit vus, on passe dans les médias, on fasse les émissions, bon, ils pensent que nous tous, on peut profiter de ça. Mais malheureusement. Bon, mais il y a d'autres quand même qui surfent dessus. Hein. Il y en a qui sont là, ils attendent que les enfants, les trucs là viennent à eux, ils se placent, on fait featuring et eux. Oui, mais c'est arrivé à qui? Tellement ces enfants-là sont aujourd'hui suivis, d'accord, puisque c'est à eux qu'on accorde beaucoup d'importance. Ça fait que leurs managers, là, sont des artistes qui les managent aujourd'hui. Mais ils en hausse comme ça, par exemple, son manager s'appelle Dinako Plaisir. Dinako Plaisir, c'est un artiste très talentueux. Il fait du coupé décalé, il fait la fierté des chenoux à main là-bas. C'est un petit démon. Mais aujourd'hui, il se bat, on ne le calcule pas. Mais c'est lui sans hausse qu'on calcule, tu vois. Donc, il préfère devenir le manager de Bébé sans os, et puis on se cherchait derrière. Donc c'est-à-dire que lui-même, là, son propre talent, il a oublié de mettre ça de côté. Oui, il a oublié. Manager. Parce qu'on ne le calcule pas, on calcule quelqu'un plutôt Bébé sans os. Quelqu'un qui va faire le casse-casse aussi. C'est clair. Mais pas quelqu'un qui a fait le casse-casse. Quelqu'un qui fait rire. Voilà, quelqu'un qui fait rire. Mais c'est la vérité, faut le dire. Mais sans os, je n'ai rien contre lui, c'est mon fils. Ouais, je l'aime beaucoup. Voilà. On te voit beaucoup sur les réseaux sociaux avec lui. Avec on voit que tu rigoles. Fais ça, voilà, tu fais ça comme. C'est ma manière pour moi de le soutenir, comme j'ai l'habitude de faire aussi avec certains collègues artistes. Alors, Kipoké, au jour d'aujourd'hui, quels sont tes, je dirais, en perspective, quels sont tes projets à venir? D'abord, je suis en train de préparer, parce que je suis en train de mettre tout en œuvre pour que 2023 soit pour moi l'année de gloire, de réussite, de voilà, que soit vraiment que ma carrière décolle vraiment en cette année, à cette nouvelle année 2023. D'accord. Donc, je suis en train de mettre tout en œuvre, je suis en train de me préparer des chansons déjà. Et puis déjà, j'ai une tournée européenne qui aura lieu. Ouais, qui est déjà prête même, qui on part en avril. En avril, voilà. Ok. Plusieurs dates en Europe. Oui, plusieurs dates en Europe. D'accord. Une tournée européenne qui a été initiée par le producteur Truc de Séverin, que je salue aussi du passage. Ok, ouais, voilà. Séverin. Voilà. Donc. Je pense que cette année sera excellente pour moi. Bon, je vois que c'est vrai que sur le plan national, tu ne bouges pas trop, mais sur le plan international, tu as beaucoup coté quand même. Oui, bon, sur le plan national disons, je bouge quand même, hein, je fais pas mal de spectacles. Alors, et il y a de nouvelles sorties bientôt? Oui, je suis en train de préparer quelques chansons, mais je suis en train de voir si je dois lancer une chanson avant de partir. Ok, ouais. Alors au jour d'aujourd'hui, quand de votre génération, Amaral, VDA, comment il s'appelle, Samy un peu, bon, quels sont tes rapports réels au jour d'aujourd'hui avec toutes ces personnes? Vous êtes en odeur de sainteté, il n'y a pas de soucis, ça va, tout se passe bien? Bon, en tout cas, on s'entend super bien, mais il y a quand même des choses qui se passent. Ben, ça, qui c'est forcément. Qui ne se disent pas, mais. On joue le jeu. On connaît le showbiz. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. On est dedans. L'hypocrisie quand même, du showbiz. Voilà. Moi, je me dis souvent que parmi nous, il y a d'autres qui se jouent, qui pensent qu'ils sont peut-être plus intelligents que les autres. Tu vois. D'accord. Pourtant, bon, nous autres, nous, on n'a pas d'ennemis. Hein. On essaie de faire. De s'entendre avec tout le monde. Parce que c'est une famille, on est dans le même bateau. Si les Zougoula tombe là, nous tous on tombe. Donc on a intérêt à être soudés, à se serrer les coudes. Parce que souvent, quand tu veux sortir une chanson, quand tu n'as pas la force des autres, c'est difficile. Bien sûr. Voilà, ça fait que aussi, toi aussi, quand l'autre aussi sort sa chose, toi tu ne le calcules pas. Bien sûr. Et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Donc tu trouves qu'il n'y a pas assez de on se soutient de pas soutien véritablement. Au niveau de la nouvelle génération. Au niveau de la nouvelle génération. Oui. J'insiste surtout au niveau de la nouvelle génération. Parce que les grands frères. Et ils se soutiennent. Nos aînés, en toute franchise, ils se soutiennent. Ils se soutiennent vraiment. Depuis le Warrior qu'ils ont fait, depuis, je ne sais pas, 1900 combien, jusqu'à présent, ils se soutiennent. D'accord. Mais nous, là, on se joue trop les dangereux. Déjà, on est trop superstar.
Pourtant, on n'a rien. On n'a même pas encore réalisé ce que nos grands-fonds ont fait. Ouais. Combien d'artistes parmi nous ont rempli le palais de la culture 2 ou 3 fois? Combien? Il n'y en a pas assez. Et puis, combien d'artistes de la nouvelle génération ont sorti 2 ou 3 albums, 4 albums qui ont marché? Ça n'existe pas. Bien sûr. Mais sinon, c'est pour dire à mes frères et collègues de mettre la balle à terre et puis on va jouer. Ça va nous tous nous arranger. Okay. Aujourd'hui, le rap est en train de prendre le dessus sur nous. Mm-hmm. Voilà, c'est pas rien. Mm-hmm. C'est parce que nous, on n'est pas soudés. Souvent, même quand tu demandes un featuring à un collègue artiste, souvent il va te tourner, il va te faire comme ça. Pourtant, c'est les choses qui peuvent faire avancer nos mouvements. Si on ne se sert pas les coudes, ce n'est pas bon. Alors aujourd'hui, le rap, ils ont compris et puis ça avance. Quoi. Okay. Tu vois, Didibi, il est en l'air, il tient un petit camba là-bas et l'envoie en haut. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Bien dans sûr. Le Zouglou, quand tu penses que tu atteins un certain niveau, il faut tirer aussi l'autre aussi camba et puis tu montes à lui. Mm-hmm. Quand c'est comme ça, c'est bon. Alors maintenant, dans ce cas, qu'est-ce que tu penses aussi du mouvement des enfants Azala Capin ou. Qu'est-ce que tu penses? Parce que ça, c'est pas du rap ivoire. Ils ont dénominé ça aussi. Ouais. Mais c'est un peu, on dirait, un dérivé du rap ivoire de couper décalé. Parce que c'est une ambiance mixée des rap. C'est ça. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses de cette tendance-là? Mais moi, je pense que c'est une tendance... On a vu ton collègue Zakitou qui a fait une chanson concernant cela. Ouais. En Zouglou, en plus. Ouais, une très belle chanson. Une très belle chanson. Voilà, qui salue Zakitou de passage. Zakitou, okay. Voilà. Donc, disons que le mouvement des enfants, c'est un bon mouvement. Ça marche bien. Uh-huh. Alors, moi, j'adore. Moi, j'aime bien. Okay. Voilà, moi j'aime. Donc tu as même truc des méchants aussi. Bon, pas que je suis dedans, je suis pas. C'est bien. Je ne suis pas dedans, j'aime bien. Je suis pas des méchants c'est bon. Voilà. En tout cas, je les encourage parce qu'ils font un excellent boulot. Okay. Et ça profite à la Côte d'Ivoire. Bon, tu vois. En tout cas, ils nous montrent les hommes vraiment du showbiz. Quoi. D'accord, mais est-ce que tu ne penses pas que, avec tous les rythmes et tous les sons que les enfants là sortent qui se ressemblent pratiquement, ouais. Tu ne penses pas qu'à cette allure, ça peut se souffler rapidement? C'est ça aussi le défaut qu'ils ont. Voilà. Parce que très souvent, tu écoutes des chansons, tu sens que le refrain de l'autre là, ça se retrouve dans la chanson de l'autre, tout se ressemble quand c'est comme ça. Il faudrait qu'ils essaient de revoir ce côté-là. Voilà, parce que on va beau sortir des chansons. Rares sont des chansons qui vont se ressembler. Chez nous, en Zouglou, par exemple, ça ne peut pas exister. L'autre va faire sa chanson. Peut-être qu'on peut chanter, dans on peut avoir le même style, mais les chansons ne se ressemblent pas. Si. Les chansons d'Amara ne ressemblent pas à la chanson de Révolution, ça ne ressemble pas à la chanson de Magie Désert, ça ne ressemble pas à la chanson de VDA, ça ne ressemble pas aux chansons de Keibouke, ça ne ressemble pas aux chansons de Thierry Major, ni voilà. Okay. Voilà. Alors, Keibouke, est-ce que tu as déjà allé voir un marabout pour avoir du succès? Non, ça, je n'ai jamais fait. Sinon, on me propose, mais à chaque fois. Parce que, voilà, parce que les gens, souvent, mal quand ils voient, j'ai du talent, puis je ne brille pas, bon, ça les pousse quand même à me proposer cela. Donc, tu as eu plusieurs fois ce genre de propositions. Plusieurs. Alors, quelle est ta confession religieuse dans ce cas? En tout cas, moi, je crois en Dieu. Ok. Je crois en Dieu. Dieu comme fer. Je pense que. Tu vois que tu portes une croix. Oui. Ça représente quoi pour toi? Voilà, bon, pour moi, ça représente une protection. Voilà. Tout simplement, une tout protection. Simplement une protection. Donc, toi, dans ton esprit, tu portes une chaîne en croix et tu te dis que ça peut te protéger. Bon, pas que je me dis que ça peut me protéger, mais ça me fait plaisir. Tu vois, j'ai ça. D'accord. Je ne veux même pas chercher. Peut-être que si je veux chercher encore une autre chaîne, cette même croix. J'aime ça. Non, elle est très belle. Franchement, merci j'apprécie beaucoup. Merci. Ça donne de la lue, ça donne le style. Mais cette croix, elle n'est pas seulement faite que pour protéger. Ouais. Elle est aussi faite pour... Mais moi, au début, j'ai cru que c'était une croix. D'accord. Voilà. Ça a la forme d'une croix. Mais à la base, c'est une épée. Mm-hmm. Tu vois, non? Si, je sais. C'est après, ils m'ont dit que... La cliente a bien réagi. On dit, ton truc, on dit, c'est épée. Mais la croix même, c'est une épée. Voilà. Ah, ok, tu vois. Donc, c'est ça. La protection, la croix, c'est une épée. C'est mon épée de combat. D'accord. Ok. Ouais. Ben, ça fait plaisir de t'entendre quand je t'entends parler. Mais quand tu regardes et tu vois certaines personnes peut-être dans le showbiz qui sont un peu plus, on dirait, un peu devant toi ou bien qui brillent mieux que toi, tu te dis quoi? C'est la chance ou c'est le talent ou bien c'est le marabout? Non, pas le marabout, pas le talent, c'est la chance. C'est la chance. Parce qu'on est nombreux à avoir du talent. D'accord. Mais nous n'avons pas les mêmes chances. Ok. Alors sinon, les artistes talentueux dans le Zouglou là, on est tellement beaucoup, on est tous talentueux. Donc tu penses qu'il faut un bon staff? Ouais, pour d'autres que la chose est réussie là, je sais pas comment ils le font, mais bon, je pense que nous autres,
Mm-hmm. On a vraiment besoin. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai une maison de production. D'accord. Voilà. Je salue M. Hervé Enfant-Bénin, qui est mon producteur de passage Géza. Mm-hmm. Donc, avant, je me produisais moi-même. Mm-hmm. Et ce n'était pas chose facile. Okay. Voilà. Je me rappelle, j'ai investi, je ne sais pas combien de sommes dans un album de 10 titres. Imagine un album de 10 titres. Mm-hmm. Les arrangeurs te prennent au minimum 200 000, 250 000, 300 000 par chanson, imagine. Tu vas faire 10 chansons. Toi-même. Et après ça, il y a la promotion et le clip qui est là. Et puis ça passe inaperçu. Ouais. Imagine ce que ça fait. Alors, à part la musique, qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Ben, je ne vis que de la musique. 100%? Oui, pour le moment. Wow. C'est pas petit à faire. Mais tu trouves pas que c'est un peu plus difficile et que tu te crées toi-même des difficultés? Parce que si tu ne vis que pour la musique à 100%, si celle-là, cette musique t'entonne, ce ne serait-ce qu'un petit temps, mais tu es dans la merde. Ben, il faut avoir beaucoup de moyens pour investir. Mmh. Moi, au moins j'avais un producteur à l'époque. D'accord. Le peu que j'avais pour investir dans un petit business, et puis ça me soutenait à côté de la musique. Mais il n'y avait pas de producteur. J'étais moi-même mon producteur. Tout ce que je gagnais, j'investissais dans mes chansons. D'accord. Alors, ce qui avait que souvent, bon, il y a d'autres artistes, on voit à pied, il y a d'autres artistes, on voit dans la voiture. Ah. Imagine quelqu'un qui se produit même lui-même. Bon, il investit tout ce qu'il gagne dans ses chansons. Dans ses chansons. Dans ses clips. Mm-hmm. Mais il a quel argent pour s'acheter une voiture? À moins qu'un pareil ou une personne de bonne volonté lui offre une voiture. Mais si le métier artistique, tant bien que mal, ça nourrit son homme, c'est vrai, mais comme on s'est dit, il peut avoir des moments de difficultés. Voilà. Mais si tu n'as pas quelque chose d'autre à côté, mais comment tu fais? Tu es dans la merde. Oui, c'est vraiment pas facile, mais c'est-à-dire, si tu arrives à nourrir ta petite famille, à payer ta maison, à subvenir quand même aux besoins de ta petite famille, voilà. Je pense que c'est pas l'essentiel, mais c'est en attendant que la gloire arrive, je pense que tu peux te gérer comme ça en attendant que, En attendant que les choses puissent. Moi, ma grâce, ma chance, c'est que j'ai sorti une chanson. Qui est déjà voilà, un peu mythique, qui tourne. Une chanson qui est connue, voilà. Donc, ça me permet quand même de tourner un peu quand même dans la sous-région. Si, je vois ça. Franchement, même, c'est beaucoup joué en discothèque. Voilà, j'ai quand même la chance d'être diffusé dans des lieux où d'autres ne sont pas diffusés. Voilà. En tout cas, grâce à cette chanson-là, vraiment, je ne manque pas de spectacle. Alors, Kéipouké, dans le style, toujours tu es en culotte. Tu es quoi? Tu es plus culotte que pantalon, mais pareil, on voit beaucoup en culotte. Oui, c'est vrai, culotte, beaucoup les culottes. Voilà. Bah, tu sais, quand on te dit souvent, tu as joli pied, tu veux faire ton petit balai. Yakuba. D'où vient cette expression? Il est devenu Yakuba, il a pris la grosse tête. Pourquoi? C'est à ce peuple-là qu'ils ont assimilé la grosse tête. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas d'où c'est sorti, mais... Mais pourtant, tu n'as pas grosse tête. Là, quand tu passes devant moi, souvent même on dit que les Yakubas sont vilains. Mm-hmm. Moi, même souvent, quand on me demande que tu es de quelle ethnie, je dis aussi Yakuba. Mm-hmm. On dit tu es sûr que tu es Yakuba. Franchement. De père et de mère, je dis oui. Oui, oui. On dit non. Non, tu ne peux pas être Yakuba. Tu ne peux pas être Yakuba. Je dis pourquoi? Les Yakubas sont trop vilains. Pourquoi on fait ça? Pourquoi il faut le dire comme ça? Les Yakubas sont vilains. Peut-être avant, ils étaient vilains. Peut-être. Sinon, on n'est pas vilains. Mais voici. Je suis Yakuba. Bon, à part toi, donne un autre exemple de nos Yakuba qui est beau. Prométhée Révolution. Ouais, c'est vrai que Prométhée Yakuba aussi. Oui. Ouais. Prométhée Yakuba. Ouais. Roselyne Layo. Yakuba. On a un petit frère. Mais est-ce que ce n'est pas vos succès là qui font que vos petits frères sont quittés au village venus nous trouver bien ici? Non, mais tu n'aimes pas les bébés en hausse. Les bébés sont pas assez bons. Les bébés en hausse, mais il est venu pour venger le maladie de congélateur. Il a bien dit. Il dit il est venu pour dormir et congélateur. Il a dit. Il est en train de le faire. Et ça va s'en sortir dans cette nature. Mais c'est quoi? Non, mais bon, donc si vraiment ça fait vraiment plaisir de te retrouver Kéipouké et d'en parler comme ça et tout. Ouais. Alors aujourd'hui, je dirais quel est ton comment tu vois aujourd'hui le showbiz en Côte d'Ivoire? Avec on parlerait aujourd'hui des rétributions du côté du Buruda et tout ça. Est-ce que tu touches un peu d'argent au Buruda souvent? Moi, j'ai fini l'émission, mais je vais au Buruda. L'autre maison en construction, tu sais où ils sont en ce moment? Je sais où ils sont. J'ai appelé, j'ai demandé, je sais où ils sont. Oh. Mais voilà, c'est un petit dieu là-bas, il m'a sécurisé ça. Bon, depuis que tu chantes de ta carrière artistique, tu as reçu combien de la part du Buruda? Mais je n'ai pas gâté le nom du Buruda, mais j'ai reçu quand même. Comme on dit, chaque 3 mois. Bon, tu sais, il y a des gens, chaque 3 mois, ils sont plantés au Buruda. Mmh. Moi, je mets du temps avant d'arriver au Buruda, avant d'aller encaisser ce qui est là-bas.
D'accord. Vois, mais la dernière fois que j'étais à l'Obrida, je ne me rappelle même plus. Ça fait combien de mois là? Ça fait longtemps vraiment. Ça fait pas un an, mais c'est, ça fait près d'un an que je suis arrivé là-bas. Donc tant que tu ne vas pas là-bas pour aller demander ton argent, tu ne peux pas te trouver à la maison. Normalement, ça ne te trouve pas à la maison, mais ça peut on peut te virer, ça peut partir sur ton compte bancaire. Donc tant que tu ne vas pas là-bas, ça va pas sur ton compte bancaire aussi. Si, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas, je n'ai pas vérifié aussi. Toi, tu es là, tu n'as pas de notification sur ton compte bancaire. Oui, j'ai pas. Mais c'est qu'il y a rien qui fait. Je vais voir là-bas. Alors, qu'est-ce que tu penses de la gestion de la maison artistique, le Burida? Toi, quel est ton avis? Est-ce que c'est bien géré ou c'est mal géré en ce moment? Mon cher, moi. Tu n'en sais rien? Moi, je n'en sais rien. Je me cherche. Moi, je me bats pour ma carrière, le reste là. Tu sais, aujourd'hui là. Moi, je me mais dis c'est souvent... ta maison de retraite. Si tu te bats pour ta carrière, que dans ta maison de retraite, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Quand tu es retraité, maintenant, puis tu regardes, il y a... c'est un qu'on appelle vieux logo. Quand tu penses que si tout mousse chez moi, là, moi, il y a calculé Burida. C'est ce que moi je cherche. Si tout rentre dans l'ordre là, qui est respectable, il tourne comme façon délibérée, tout là. Toi, tu peux même calculer. J'ai fait quoi, Ibrida même. Toi, quand tu vas donc, tu dis quoi? C'est ceux qui vont là-bas, c'est ceux pour qui ça ne marche plus là, c'est eux qui vont s'asseoir là. Qui vont non, là-bas, pas quoi. Forcément les personnes pour qui ça ne marche plus. Hein. Mais il y a des gens aussi là qui ne vivent que de leur salaire de Ibrida. D'accord. Des artistes aujourd'hui qui ne moussent pas du tout, c'est mou, c'est bizarre. Ils ont... Dieu merci, ils ont le cas des Ibrida. Ils sont, comment on appelle là? Il y a un mot là. Ils sont déclarés. Déclarés, voilà, ok. Ils sont déclarés, donc les albums ne marchent pas, ils n'ont pas de spectacle. Donc, chaque 3 mois, ils sont plantés au Ibrida pour aller prendre leur salaire. Bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, au-delà de tout ça, Kei Poké, quand on entend ton nom, Kei Poké, d'où te vient ce surnom? Est-ce que c'est une signification particulière? Non, pas du tout. Voilà. C'est ton vrai nom à l'état civil? Non, mon nom à l'état civil, c'est Gue Moncia Eric. Gue Moncia Eric. Voilà. Alors donc, Kei Poké, ça devient de quoi? C'est un nom ancestral ou bien c'est... Avant même mon nom d'artiste, même quand j'étais encore amant, quand j'étais en train de bricoler pour devenir artiste, on m'appelait d'abord Eric de l'Ouest. Eric de l'Ouest. Ouais. Et quand je suis arrivé à Abidjan, c'est devenu Ricky de l'Ouest. Ricky de l'Ouest. Voilà. Ricky, c'est le diminutif de Eric là. De Eric, ok. Donc, c'est devenu Ricky de l'Ouest. Et après, le nom d'artiste Keibo qui est venu comment? C'était dans les années, je sais pas, 1980. Je sais plus, je me rappelle plus. Je peux me rappeler, mais je préfère passer dessus. Un jour comme ça, je marchais avec une demoiselle, voilà. Une demoiselle bien remplie là, tu vois. Donc j'ai mon vieux père, il est guéri. Je ne sais pas s'il est guéri ou obé, mais... Donc c'est... tu aimes les demoiselles bien remplies. Parce que tu as insisté sur la partie là, je sais pas pourquoi. La précision, pourquoi ouais, sache que... Non, parce que tu as une précision un peu détail, tu vois. Donc je ne sais pas, tu parles et puis tu dis bien rempli. Oui. C'est quoi c'est parce que j'étais bien rempli. Hein, Elle était bien remplie. Ouais. Donc toi, tu aimes les femmes bien remplies. Je n'ai pas dit que j'aime les femmes bien remplies. Mais la fille qui nous marchait, elle se joue là. Elle était bien remplie. Mais pourquoi cette précision des tailles? C'est ça que je veux comprendre en fait. Mais il faut qu'on sache quand même que. Bon, je te dis. C'est maintenant que tu vas comprendre pourquoi cette précision. Ça me fatigue. Voilà. Et puis, tu as bloqué, tu as fait le geste. Bien rempli. Voilà. Oui, bien rempli. Voilà. Tu vas comprendre maintenant pourquoi j'ai précisé. Parce que quand mon vieux père il m'a vu là, il dit ah, Keiboke. Tu comprends maintenant pourquoi? Parce que le truc à côté était bien, rempli. Voilà. Donc, quand le vieux a vu ça. Il a vu. C'est-à-dire que c'était tellement rempli que ça l'a inspiré. Voilà. Ah, Keiboke. Je ne sais pas, lui, il est wobé, il est gré. Je ne sais pas ce que ça signifie en wobé ou en gré. Je ne sais pas s'il prononce bien. Voilà. Mais lui, il a crié comme ça. Et quand il a crié comme ça, il dit ah, mon vieux, il y a quoi? Il dit ah, tu es avec un truc, hein? Tu vois? Il dit oh, mon vieux, laisse ça. Et depuis ce jour, quand le vieux père se voit au quartier, il crie Keiboke. Tu vois? Donc, ça doit avoir certainement une signification. Qui a un rapport avec une femme bien remplie. Bon, pas forcément, c'est les Wobé ou les Diré qui te diront, qui vont t'expliquer ça. Mais je ne suis pas sûr que. Peut-être que c'est une manière de dire ah, garçon, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ou bien, ah, ou bien, je vois, Jean, il a vu un truc et toi. Voilà, tu vois. Tu as vu. Donc, depuis ce jour, quand le VP moi se voit au quartier, il écrit mon VP Clem Ebo, il écrit Keibo, il écrit Pakuri. Donc toi tu réponds, voilà. Bakris, bon, c'est un langage de chez moi à Yakuba. Et Yakuba qui signifie voilà. Bon, je ne connais pas trop la signification. Mais est-ce que toi-même tu parles Yakuba? De toute façon, je parle Yakuba. Mais... Ayabakri, il est moi là. Ah. Maroumaria.
Il y a pas de manga. Comment on dit à une femme en Yakuba, je suis fan de toi. Idonka. Magaïbade. Comme on le dit dans les Japonais, je suis mort de toi. Hein. Ah ok, je suis mort de toi. Magaïbade tout. Idonka de. Alors Kiboki, il est plutôt skinny ou apuchu. Monsieur, pas me mettre dans cette situation ici. Hein. Comment je suis les deux. Je suis partout. Tu es partout comment? Faut avoir si tu me plais, tu es skinny ou tu es apuchu. Ça oui. Donc toi, tu n'as pas de particularités. Tout ce qui vient, tu prends. Mon cher. Ça fait pas un peu de toi un garçon jaloux. Tu sais, souvent, quand tu veux te créer des limites, toi-même un jour, ça va te créer problème. Donc tu n'as pas de limites. Mais imagine. Bon, moi, une fille qui est skinny, si elle me plaît. Une fille qui est apuchu, si elle me plaît. L'essentiel qu'il soit skinny ou apuchu, il faut me plaire. Mais tu dois avoir quand même une préférence, comme tu mais dis. Mais souvent, les gens m'attachent, ils disent que moi, j'aime le tout. Oui, non, parce que c'est pour ça que les quand tu parlais de bien rempli, là, tu dis non que. Quand même, ils disent que j'aime le tout. Bien rempli, tout ouais, ça. Mais est-ce que Keibouke n'est pas un homme à femme aussi? Non, Keibouke, bon. Comme tout le monde, les femmes nous aiment. Oui, artistiquement. Femmes, voilà. Artistiquement, comme naturellement, moi-même, les femmes m'aiment aussi. Elles m'aiment aussi. Parce que la preuve en est souvent, mes abonnés, rares sont mes abonnés qui... Au début, mes abonnés ne savaient même pas qu'ils étaient artistes. Ils s'abonnaient à ma page parce qu'ils voient un joli garçon qui s'habille bien. Ils voient les photos. Le c'est après, ils disent souvent que tu fais quoi? J'ai dit, moi, je suis un artiste. Et tu chantes quoi? Tu dis, ils ne savent même pas pourquoi ils sont abonnés là. C'est parce que pour eux, c'est un joli garçon. C'est à coup de. Tu vois? Voilà, un joli garçon, bien habillé, bien chic. C'est à coup de ça, ils sont venus s'abonner. C'est après, ils ont commencé à comprendre que ah, c'est un artiste. Mais aujourd'hui, la plupart de mes abonnés savent que je suis un artiste. C'est des gens, ils n'ont pas pris ta tête pour une tête de Zougloumane, quoi. Voilà. Bon, pas forcément. Pourquoi? Les Zougloumane sont zo. Oui, mais bon, quand tu dis, tu vois, non, c'est que toi, tu es un artiste. En fait, ils ne savaient pas, ils savaient pas que j'étais un artiste. Ok. Voilà, je ne savais pas qu'il était un artiste. Alors, Keipoki, quels sont tes rapports aujourd'hui avec le groupe VDA? Parce qu'on aura appris dans les coulisses que tu ferais partie quand même des personnes qui les ont mobilisés à venir à Abidjan, même qui les ont fait même pratiquement même venir à Abidjan. Ben, je m'entends parfaitement avec le groupe VDA, même si on ne se voit pas très souvent, parce qu'ils sont beaucoup occupés. Voilà. Mais même s'ils sont occupés, si quand même tu fais partie des personnes qui les ont fait venir à Abidjan pour qu'aujourd'hui leur carrière puisse s'éclore, ça ne les empêche pas de t'inviter à des premières parties de leur spectacle ou des parties des prestations qu'ils font, je ne sais pas, ou bien. Bon, concernant VDA, je vais préciser quelque chose. D'accord. Voilà. J'étais dans les débuts. Okay. Voilà, j'étais là au début quand VDA est arrivé à Abidjan. Je peux dire même que c'est grâce à c'est par mon canal d'accord. qu'ils sont arrivés à Abidjan. Okay. Voilà. Parce que j'ai rencontré Jim VDA à San Pedro lors d'un spectacle là-bas. Et c'est VDA qui faisait ce jour-là ma première partie en semi-live. En semi-live, ok. En semi-live. À ce temps, ils n'étaient pas encore connus. Ils étaient encore à San Pedro. Ils évoluaient avec un orchestre où ils faisaient la semi-live et tout. Et quand je suis arrivé, c'est Peach et Jim qui jouaient. Bah, après... Quand ils ont fini, moi, je devais monter. Après, ça allait téléphoner un peu. Jim m'a suivi. Puisque mon nom, Keibouke, est connu quand même à San Pedro. Bien sûr. Hein. Bon, depuis le temps de Magic Diesel. Parce que Magic Diesel aussi, c'est moi qui ai occasionné aussi de venir à Abidjan. À Abidjan. Parce qu'à l'époque, Magic Diesel, il venait de quelle région déjà? San Pedro. San Pedro aussi. Voilà, alors, donc, ils sont tous de San Pedro. Voilà. Magic Diesel, à l'époque, j'avais demandé à Hilarion La Mémoire, l'un des managers qui vit maintenant en Europe. Je lui avais dit que, parce que je suis parti à San Pedro, à ce moment, je faisais Woyo. Quand on est parti, j'ai croisé là-bas Magic Diesel. Ok. Voilà, Tim. Voilà, on a causé, on a échangé. Ils étaient ici à Sawako, ils étaient en mission ici récemment. Voilà. Donc, et ce jour-là, nous, notre groupe devait faire la première partie de Magic Diesel qui était l'orchestre maison dans le maquis. Donc, quand on a fini de jouer, quand je jouais, Tim est venu me voir chanter. Après, quand j'ai fini, il m'a félicité. Et quand il jouait aussi, moi aussi, je me suis assis pour le voir chanter. J'ai vu qu'ils étaient beaucoup talentueux. Donc après, Tim et moi, on a échangé les numéros. Souvent, quand on s'appelle, je lui dis, venez à Abidjan. Ils avaient peur de la galère d'Abidjan. Ok. J'avais peur pour venir, pour galérer à Abidjan, c'était compliqué. Voilà, donc c'est un jour, le manager, il a rien à la mémoire. Le propriétaire même du maquis, où Magic Diesel jouait tous les week-ends. Tous les week-ends, il oui. m'a demandé un manager à Abidjan ici. Donc c'est moi qui ai fait partie, il a rien à la mémoire. D'accord. À San Pedro. Et quand il partait, je lui ai dit, ah, il y a un orchestre, ça va, faut les encadrer, ils sont bons. Ils sont très c'était bons. C'était Diesel. On ne les appelait pas Magic Diesel, on les appelait Diesel là-bas. Diesel, ok. Et après quelques années, quand le maquis est tombé, quand il a rien devait rentrer à Abidjan, il dit, ah, tu sais comment je vais rentrer à Abidjan.
Il dit, ok, il faut venir. Il dit, mais les petits, j'ai fait comment? Il dit, il faut venir. Non, c'est pas, nous-mêmes, on n'arrive pas à manger d'abord, c'est nous-mêmes, mes bagages sur nos têtes. Ouais. Voilà. Il dit, il faut venir. Il dit, ah, moi, je ne vais pas venir tout simplement. Il vient, et les deux chanteurs. Il dit, Tim et puis ça va quoi? Il dit, à fond. Ouais, en fait, comme moi, déjà, j'étais en contact avec Tim. Ouais. Ça n'a pas chauffé. Lui, on peut tourner ensemble. Ce conseil, il a fait venir à Abidjan. Les gars, même, dormaient chez lui à la maison. Et moi, pour ne pas que les gars s'ennuient très souvent, bon, comme c'est Tim qui était mon moro, le monde se prenait en tournée. En ce moment, c'est Révolution qui était en vogue. Mais est-ce que tu trouves que Tim, aujourd'hui, est reconnaissant de tous ces faits, dans ce que tu as fait, toutes ces actions? Est-ce qu'il est reconnaissant de ça? Parce que Tim, on a reçu dans cette émission, je lui ai dit que beaucoup de gens se plaignaient de lui. Bon, aujourd'hui, notre relation n'est plus comme avant. C'est ça, il faut le dire. Je ne dis pas qu'il est ingrat, mais notre relation n'est plus comme avant. On se côtoie plus, on se fréquente plus, on se parle presque plus. Non. Parce que pas qu'on ne se parle pas, mais je veux dire qu'on ne s'appelle plus comme avant. C'est vous n'avez plus de rapport même. Voilà, mais est-ce que vous êtes encore en odeur de sainteté? Ça veut dire que vous entreprenez dans un endroit? Non, quand on se croise, on se respecte, ça va. Ok. On me respecte, il m'appelle toujours grand frère. Mm-hmm. Ça va quoi. Mais d'accord. Sinon, avant, comme avant, non, c'était... Et les VDA, aujourd'hui, est-ce que vous avez des rapports aussi? Bon, VDA, comme je disais tout à l'heure, c'est comme ça que VDA, quand on s'est rencontré à San Pedro, Jim est venu me trouver à Abidjan. M'expliquer un peu leurs problèmes, ah, ils ont besoin de mon soutien. Mm-hmm. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas l'argent pour soutenir quelqu'un. J'ai dit, non. Je pense qu'ils ont vu un peu l'exemple de Magic Desert. Voilà. Donc, j'ai dit, ok, venez. D'accord. C'est comme ça que tout l'orchestre VDA, eux, VDA, c'est tout l'orchestre qui est venu. Mm-hmm. Magic Desert, ils sont venus à deux. Que les deux, mais ouais. VDA, tout l'orchestre est venu. Et ce jour-là, Jim m'a dit que, ah, si toi, tu n'appelles pas mes gars, là, ils ne vont pas vouloir venir. Mais j'ai appelé chacun. Pianiste, guitariste, percussionniste, pitch, tout le monde j'appelle. Parce que Jim m'a dit que l'orchestre VDA aimait beaucoup mon affaire. Mm-hmm. Tu vois? Moi, je dis que mon nom était beaucoup à San Pedro à cause de Magic Diesel. Parce qu'à chaque fois que les gars chantaient, Jim chantait à chaque fois Kiboké. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, de toute façon, ils sont en pole position, je peux dire même qu'ils sont les goths de votre génération. Ouais. Est-ce que ça ne te rend pas un peu jaloux? Non, pas du tout. Aïe, attends. Les enfants que. Jusqu'à présent, quand c'est quoi? Même Jim, malgré qui. Jim et Pitch. Malgré qu'ils sont en vogue aujourd'hui, quand on se croit toujours, c'est papa. Il ne m'appelle pas mon nom. Il ne m'appelle pas Kiboké. Il m'appelle le vieux, il m'appelle papa. En tout cas, ça, il faudrait que je le dise. Mmh. Voilà. Mais seulement que ce que j'attends d'eux, je n'ai pas encore vu ce que j'attends d'eux. Voilà, mais qu'est-ce que tu leur reproches? Voilà. Non, je ne leur reproche rien, mais je dis ce que j'attends d'eux. Voilà. Voilà. Parce que pour moi, je pense quand même que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Sinon, normalement, je pense qu'en retour. Ils peuvent appeler le grand frère à venir faire un featuring, ça te relance aussi, tu vois. Mm-hmm. Mais eux aussi à me relancer. Mm-hmm. Parce qu'au début aussi, quand ça n'allait pas, j'étais là. Voilà. J'étais pas trop en vogue à l'époque, mais quand même, j'avais un petit nom ici à Abidjan. Et je les ai mis sur mon dos. Aussi, ils étaient même mon orchestre. Mm-hmm. Dans le temps, ils étaient mon orchestre. Ils n'étaient pas encore connus. À ce temps, je n'avais même pas encore fait ma chanson à Kaboua. Mm-hmm. Voilà. Donc, je les ai pris comme mon orchestre. Et puis, je répétais mes chansons, mais quelques chansons qu'on connaissait avec eux. Et ma stratégie, c'était quoi? Quand on va jouer quelque part, j'ai dit au promoteur de faire chanter mon orchestre là d'abord. Puisque je sais qu'ils sont forts. Et puis c'était une manière pour moi de les vendre. J'ai dit, non, quand les faire chanter d'abord, ils vont savoir qu'ils sont bons. Mm-hmm. Donc les faire chanter 30, 45 minutes. Souvent, on m'appelle, ah, qu'ils étaient petits, ils sont tués ici. Et je dis, ah, c'est ce que moi je veux. C'était une manière pour moi de les vendre. Arrivé à ce moment, je l'ai confié aussi à Amaral d'Afrique, qui est mon ami. Oui, Amaral. Voilà, oui, je l'ai confié à Amaral. Et Amaral s'est tourné avec eux. Donc moi, j'étais comme le père de VDA. Amaral était leur oncle. Voilà, donc c'est dans la même. Mais ça ne vous fait rien que vous ont dépassé, vous tous ces. Non, papa, oncle, on vous ont mis dans un sac. On est content pour eux, on est content pour eux. On est content pour eux. Aujourd'hui, je vais dire très souvent, c'est Amaral qui est très souvent avec eux, parce que moi, je suis le gars ici un peu dans mon coin. Voilà, je suis content pour eux, mais je ne suis pas un amateur, en fait. Pas que Amaral, c'est un amateur, mais Amaral, il est beaucoup avec eux. Avec mais moi, je ne suis pas trop le genre de personne parce que tu as soutenu tant, attends, et puis toujours, tu es dans les téléphones en train de demander, en train de faire conseil. Non, moi, je ne fais pas. D'accord. Même le futur dont je parle, je pense que moi-même, je peux demander, mais je veux que ça vienne de même. Aussi. Voilà. D'accord. Je veux que ça vienne de même. On comprend pas. Mais je pense que ça est déjà en cours. C'est ça. On en a déjà parlé, moi, et puis Jim. Jim, ok. Voilà, ça, donc, ça vient. Je pense que ça va se faire. Mais est-ce que pour toi, une femme peut empêcher un homme de réussir dans sa vie? Bien sûr. Il y a des femmes qui peuvent gâter ta carrière. Bon, parlant, que tu sois artiste ou bien... Ou bien n'importe, un homme, n'importe quel voilà, personnage. N'importe quel personnage. Mm-hmm. Vous faites très attention à la femme. La femme, c'est notre maman, c'est nos mères. Mais il y a des femmes qui ne sont pas bien. Okay. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais il y a des femmes qui ne sont pas bien. Il y a des femmes qui, quand elles rentrent dans ta vie,
En tout cas, tu as un témoignage. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de tomber sur ce genre de femme dans ta vie un jour? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Mais celle que je vis à elle, tout va bien. D'accord. Mais tu penses qu'une mauvaise femme peut avoir une véritable influence, un impact sur la vie d'un homme? Bien sûr, je dis ça tout à l'heure. Jusqu'à la gâcher. Oui. Il y a des gens aujourd'hui, tu sais, il y a des artistes souvent qui ont rendu témoignage. Bon, je ne veux pas les identifier. Je ne veux pas dire de nom. Il y a des artistes qui moussaient avant et à cause des femmes. Parce qu'il a croisé une femme qui a beaucoup d'argent, qui le mettait à l'aise, tu vois. Qui, souvent, quand on l'appelle pour ses spectacles, il se foutait des gens. Souvent, on l'appelle pour. Du genre, il était déjà trop arrivé. Ouais, j'étais déjà trop arrivé. La petite, tu prends, la voix assinée dans le coin, dans le coin. Pourtant, ce qu'ils oubliaient, c'est parce que tu mousses qu'elle est là. Si tu mousses plus, on ne parle plus de toi. Elle gagne temps. Il y a des femmes comme ça qui sont là que pour les artistes qui moussent, les artistes qui sont à la page. À la page, on voit. Quand tu n'es plus dans la page, elle gagne temps. Wow. Et quand tu tombes sur ce genre de femme-là, mon cher, il faut savoir. Il n'est pas dit de la refuser, mais il faut savoir marcher avec elle. Ouais. Alors, le milieu du showbiz est un milieu semé de beaucoup d'embûches, tu le sais. Ouais. Et aujourd'hui, par rapport à ton approche dans ce milieu, tout ce qui se passe, quel est le sentiment qui t'anime quand tu vois certaines choses qui te déplaisent, pas forcément, ou bien des choses qui se passent ou des comportements des personnes et les attitudes qu'ils ont? Bah, c'est déplorable. C'est déplorable parce que le milieu lui-même n'est pas facile. Si on devait nous compliquer ça encore, tu vois ce que ça fait? Bien sûr. Voilà. Donc, le milieu est difficile. Nous devons avoir le comportement qu'il faut pour qu'on puisse s'en sortir. Par exemple, tu vois, je te donne un exemple. Le coupé décalé comme ça, qui aujourd'hui a pris un coup. Voilà. Au début, les clashs les arrangeaient. Voilà. Sincèrement, les clashs les arrangeaient. Mais bon, quand le maître du clash m'est parti, voilà, il les avait habitués à un truc qui, après son départ, les autres n'ont pas su accompagner. Et puis tu as vu ce que ça fait, tu vois. Donc, ils n'étaient pas forcément obligés de faire ces clashs pour pouvoir briller. Voilà. Comme il y a quelqu'un qui avait dit que quand on va se clasher, on va se clasher musicalement parlant. Le rap, ils voient, ils le font. Ils ne font pas des directs, des vidéos pour s'insulter et autres. Mais à travers des chansons, ils peuvent se clasher. Toi, mais souvent, tu peux écouter même sans comprendre même ce qu'il dit. Déjà, il a incité un autre rappeur. Ça ne peut pas prendre. Ils ont les balles perdues. Voilà, tu vois. Mais ils se comprennent. Bien sûr. Et puis ça avance, et puis le mouvement avance, quoi. C'est tranquille. Ils ont des bonnes répliques. Ouais. Ok, alors, quel est ton mot de fin? Quel est le message que tu lances à tes fans? Tous ceux qui t'apprécient à travers le monde, quel est le message que tu peux leur porter? Le message que tu peux lancer? Quel est ton message? Quel est ton mot de fin? Pour tous ceux qui t'apprécient à travers le monde, quel est le message que tu peux leur porter depuis le Farfar? Moi, je dis merci à tous ceux qui me soutiennent. D'accord. Voilà. Dans le milieu, il y a des gens qui te soutiennent, il y a des gens qui te soutiennent pas. Voilà. Moi, je dis merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui prient pour moi. Merci à mon public, à mes fans, à mon staff managérial, à ma maison de production. Voilà. Merci aux chaînes de télévision aussi qui nous sollicitent très souvent. Ivoire TV, merci beaucoup. Serge de Fallet, merci. Merci à toute l'équipe de Fafa. Fafa, on est là, voilà. On est à la place. Alors, notre émission tire maintenant à sa fin. Merci à tous ceux qui sont derrière la caméra, bien sûr, dans la réalisation. Nous avons Soko Soko de Genève Santiago qui n'est pas présent aujourd'hui. Nous avons Stéphane aussi au son et tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Merci à vous, à toute l'équipe et surtout à la direction de Ivoire FM, Ivoire TV Musique. Big up à Kangala le berger, big up à Angebe le cultivateur, big up à la boutique Chikra du côté de la 7e tranche avec les accessoires certifiés, big up à la boutique aussi le bazar de Versailles, big up à Francky Aka. Merci aussi à tous ceux qui soutiennent le S-Club. Salut à tous les S-Clubiens, ceux qui sont toujours rendez-vous dans mon restaurant, le S-Club. On vous reçoit, on vous accueille. N'oubliez pas, c'est du côté de la 7e tranche. Le S-Club, c'est le seul endroit où on ne mange pas, mais on se nourrit. Si vous avez besoin de vous nourrir, n'hésitez pas à passer à mon restaurant S-Club. On vous fera du bien. Notre mission, c'est de vous faire du bien. Merci à tous ceux qui sont, ceux qui partagent aussi sur les pages internet, sur Facebook, le Fafa, la saison 2. On est toujours ensemble. Merci à vous. Que Dieu vous garde et surtout sortez couverts. J'oubliais, big up à Franck Mian, le jeune industriel. Sors toujours couvert et à tous ses frères. On est ensemble, les gars. Yacine, big up.